Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur un nouveau jeu que je teste. C'est mes premiers pas sur Minecraft. Je voulais vraiment faire ça avec vous parce que je me disais que ça pourrait être sympa. Donc pour ceux qui ça n'intéresse pas, vous pouvez tout de suite quitter la vidéo. Pour ceux qui ça intéresse quand même de voir autre chose que du Dofus, restez avec moi. Ça sera, j'espère en tout cas que ça sera amusant pour vous ainsi que pour moi. Donc voilà, je vais faire mes premiers sur Minecraft tout simplement. C'est pas la première fois que je joue, j'y ai joué une ou deux fois mais pas plus que 10 minutes. C'était vraiment le truc de toucher la souris et puis voilà, d'essayer Minecraft. Cette fois c'est vraiment vraiment me lancer, on va dire, en quelque sorte. Déjà je fais cette vidéo comme tout simplement pour faire mes premiers pas sur Minecraft avec vous. Je n'ai même pas acheté le jeu, c'est la bestia en bêta comme vous pouvez le voir en haut à droite. Ça prouve que tout simplement j'ai la bêta, je n'ai pas acheté le jeu. C'est juste pour essayer. Si ça, le jeu me plaît, j'achèterai peut-être le jeu avec la YouTube Money, bien sûr. Voilà, rich rich baby. Non, je déconne. En tout cas, voilà, c'est vraiment tout simplement j'ai zéro base, je connais presque que dalle. Je sais tout juste qu'il y a plusieurs modes, puis tout simplement, c'est ça. Alors, pour ceux qui sont débutants sur Minecraft aussi, la série pourra leur plaire. Et puis ceux qui sont déjà experts, on va dire en quelque sorte, sur Minecraft, ils vont bien se grincer les dents là. Ils vont bien souffrir s'ils regardent mes vidéos. Donc voilà, je précise tout simplement. Mais voilà, ça veut pas dire que j'arrête les vidéos d'office ou quoi que ce soit. C'est bien loin, c'est juste pour me divertir un petit peu. C'est juste que j'avais envie de jouer à Minecraft, puis je voulais filmer tout simplement pour ceux à qui ça plaît. Ils peuvent simplement liker la vidéo et continuer à regarder. Voilà, il a laissé des crottes. Ils ont disparu. Voilà, pour tout simplement ceux à qui la série va plaire et qui aiment, ils peuvent continuer à me suivre, mettre un pouce bleu. Ceux qui n'aiment pas le principe du Minecraft et qui aiment que le Dofus, déjà je vous dis, ne vous inquiétez pas car ça va pas prendre le dessus du Dofus tout simplement. Encore une fois, je reviens à la base, c'est cette vidéo-là est tout simplement pour m'amuser un peu avec vous. Et découvrir ce jeu tant vénéré par énormément de personnes et énormément de kikou, bien sûr. Alors on va essayer déjà de survivre parce que voilà, je sais que c'est pas quelque chose de facile. Alors déjà il faut faire une maison, c'est le mode de survie je pense. Ouais voilà, faudra pas mourir, faudrait tenir 97 minutes. On est parti pour essayer de tenir 97 minutes. Bien sûr la vidéo ne fera pas 97 minutes. Franchement, je sais pas si je devrais lancer une petite série pour les 97 minutes. Bon, voilà, déjà, on va faire cette. On va essayer de faire la maison aujourd'hui. Alors, je sais pas trop combien il faut de bois là pour faire la maison. Je connais pas les combos de craft non plus. Ça va être très très gênant. Faudrait que je fasse un tour sur le site, mais bon, je ferai pas ça maintenant. Pour aujourd'hui, on va essayer de bûcher, bûcher, bûcher. Ça change beaucoup de Dofus, ça. C'est-à-dire, ces deux jeux sont extrêmement différents, mon avis perso. Voilà, on a combien? Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle comment? Boîte chaîne. C'est bon, on a le petit tuto quand même. Cette boîte quoi? C'est vraiment découverte, découverte. Et en mode relax, bien sûr, en mode relax comme d'hab. Et en boîte boue. Ça doit être quoi la différence? Ça serait quoi la différence? Si j'avais quelqu'un avec moi sur Skype qui joue à Minecraft, ça serait bien sympathique, mais j'ai pas ça à ma disposition. J'en suis désolé. Sinon les gars, si on revient sur les 2000 abos qu'on vient de franchir, voilà, merci beaucoup beaucoup. On est déjà à 2153, ce qui me semble qu'on est déjà à 153, 154, je sais plus. Ça continue à augmenter, ça continue à me faire plaisir et puis voilà, ça fait extrêmement plaisir. Il y a des personnes qui disent que j'achète mes abonnés, ça me fait extrêmement rire parce que ce n'est vraiment pas le cas tout simplement. Déjà parce qu'acheter des abonnés c'est extrêmement cher. De deux, ça serait extrêmement stupide parce que les abonnés qu'on achète ne seront pas actifs. Et puis ça sert extrêmement à rien, donc voilà, c'est super con.
Ceux qui disent que j'ai acheté des abonnements, puis ça coûte. Ouais, voilà, j'ai pas la thune pour en plus. Donc c'est extrêmement con. Dans tous les cas, c'est stupide, tout simplement. Ça gêne. Attends, je bûche à quoi là? Je suis en train de bûcher à quoi? Graines de blé. Ça serait plus simple avec la main, sûrement. Casse-toi. Voilà. Donc je connais vraiment que dalle les gars, franchement, un vrai de vrai débutant quoi. Ça juste une petite seconde, je vais essayer de changer un peu les options graphiques, peut-être baisser un petit peu, mettre ça à 10. Mouvement tête 8, on s'en fout. 60. Voilà. Parfait là. Alors là c'est vraiment parfait. Donc voilà. Alors on est rendu à combien de bûches? 12. Il en faudrait pas mal je pense pour faire une maison. Parce que la nuit approche. Ouais la nuit approche. Est-ce que ça se mesure en voyant le soleil? Ça devrait parce que. Oh ok le petit lapin. Et encore. Là j'ai des crottes. Ah là les crottes. Ça me fait rappeler aux céréales là qu'on. Céréales au chocolat. On dirait qu'il se masturbe ou quoi? Avouez les gars, on dirait qu'il se masturbe. Le cochon. Le cochon. Il me semble que c'est plus rapide sans les trucs que j'ai utilisés tout à l'heure. C'est bizarre, regardez. On arrête de trucs, tout redevient normalement. Ça, c'est incohérent. Normalement, ça devrait rester comme c'est. On est à. Je pense qu'à 25 ou non. Ouais, voilà. À 25-30 bûches de bois, on va commencer à faire la maison. Ça devrait pas être trop compliqué. Je pense que ça devrait simplement ressembler à. Je sais pas moi, un carré, voilà, à une maison quoi. Faut pas chercher loin quand même. Normalement il y a de la musique qui vient avec musique et son voilà. Il y a juste le son du système, il n'y a pas de musique, je comprends pas. Ah ouais la musique de météo, d'accord. On est à 27 à 30, on va se faire la petite maison. Je pense pas que ça sera suffisant. 30, ça sera pas assez suffisant, à mon avis. La première fois que j'y jouais à Minecraft, il me semblait qu'il y avait un coffre. Et puis il y avait le truc pour bûcher là. Comment ça s'appelle déjà? Le truc en forme des. J'allais dire en forme d'épée, mais c'est extrêmement pas ça. En tout cas, mais ça est l'âme bien sûr. Mais je sais plus comment on appelle ça. Tout cas, il y avait ça permettait de bûcher beaucoup plus vite. On est à 33. Disons qu'à 40, 40, 50 maximum, cette fois, en vrai, on va se faire la maison. On met combien de temps à bûcher une truc? On met environ. Attends, on va compter ça. Attends, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. On met environ 5 à 6 secondes. 6 fois 50, 300 secondes, 300 divisé par 60. Ça nous fait environ 5 minutes. Des calculs de mental de ouf. Oh putain, j'ai pris là ou quoi. Voilà, on est à 40. À 40. Parce que moi je me demande bien si le bois il se régénère. Là je me demande bien si c'est le cas. Ça serait sympa quand même.
si le bois, si l'arbre en tout cas se régénérait. Ah, j'ai perdu le fil là, il est où? Attends, j'ai vraiment perdu le fil. Ah, c'est bon. Il était au milieu. Voilà. 45. Ah, c'est vraiment 5 à 6 secondes. Avec le truc pour bûcher, ça devrait prendre, je sais pas, 3 secondes peut-être. Je me rappelle, ça prenait environ 3 secondes. Voilà, on fait ce dernier. Voilà, maintenant on va se faire notre. Parce que. Oh putain, ça approche déjà la nuit. On va se faire notre petite maison. On devrait faire ça. On doit faire ça le plus vite possible. On n'a pas trop le choix. Il y a la nuit qui approche, les grands pas. Là, on est environ le soir. En vrai, ça devrait être vers 8h environ, l'heure du ftour. Ceux qui connaissent le ftour, c'est tout simplement le caste de jeûne. En tout cas, par rapport à ça, j'espère que vous passez un bon ramadan pour les musulmans. Tout simplement. 1, 2, 2, c'est le deuxième. Faudrait qu'on trouve une place assez bien plat pour la maison, tout simplement. Je pense que ça serait bon. Ça serait bon. On enlève tout ça d'abord. Faut enlever tous les herbes. On ne pas que ça nous gêne. On y est prêt. Ouais, pour agrandir le truc, on pourrait bûcher. On n'a pas le temps. Les mobs devraient arriver bientôt. Ah, on va se faire buter, je sens qu'on va se faire buter. Pourquoi tout d'un coup il y a une petite musique qui vient? Ah, mais elle est assez sympa, elle fait du bien aux oreilles quand même. C'est loin d'être du rap. Oups, désolé. Voilà, donc je suis désolé, au moins. Putain, il y a déjà les zombies qui arrivent. Oh, on va se faire buter, je sens qu'on va se faire buter, on n'a pas le temps de faire la maison. Oh, on a été beaucoup trop loin. J'ai beaucoup trop parlé, on n'a pas eu le temps de faire la maison. Putain. Je pense qu'on a même on a même pas eu assez de bois. Donc les gars, je pense qu'on va se terminer là parce que je vais faire buter, je vais faire buter. Attends, pourquoi la barre des trucs n'est plus là? C'est quoi ce truc? Laisse-moi tranquille. Putain. On l'a fait à la Walking Dead ou quoi? Si on avait des... What? Oh, on s'est fait buter. Merde. Bon, le défi a échoué. C'était bof. C'était bof, franchement. Pour en même temps, c'est la bêta, donc c'est un petit peu normal. Ah mais ils envoient pas justement quelques mobs, ils envoient. Attends, je vais essayer de skip. Waouh. Qu'est-ce que. Vas-y. Ah, des skips. Ah, cette fois, il m'a eu. Connard. Fils de pute. Ah, je suis où là? Le creeper va exploser. Merde. Vas-y, casse-toi. Attends, je vais pousser dans l'eau. Juste, il manquait 2 mm. Donc les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était vraiment pour découvrir ensemble Minecraft. Je sais pas si je vais en tourner d'autres vidéos, mais ça va toujours dépendre de comment je me sens, de mes envies, et etc. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ainsi qu'un commentaire, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.